Monsieur Emmanuel Sogadi, voilà, ce matin, dimanche, vous êtes à la paroisse presbytérienne de Zongo. Vous êtes une association qui dit Bring Bang Our Land, une révolution pour dire non à ces premiers responsables de l'Église qui ne gèrent pas bien. Pourquoi avoir fait cette sensibilisation ce dimanche à la fin d'une messe? Nous avons, depuis un bon bout de temps, commencé à attirer l'attention de nos autorités religieuses sur les dysfonctionnements liés à la mauvaise gestion de notre église en matière de la finance, en matière d'administration. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu de résultat. Et donc, le ça a été débordé et une goutte d'eau a débordé le vase. Et on s'est dit qu'on s'organise autrement. Quand on s'est organisé, il s'agit de la vente du terrain de handicapé, qui était une donation de la part des autorités togolais politiques du pays en 1945. Et donc aujourd'hui, si des passeurs se retrouvent à un groupe de mafia et ils cherchent à vendre ce terrain, ils l'ont vendu et prennent l'argent pour faire du trading, vous comprenez mieux que nous qu'on ne doit pas se taire. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à sensibiliser. Parce qu'on ne peut pas rester politiquement au niveau des membres de la situation sans que les autres fidèles de nos paroisses ne comprennent la démarche. Et donc, la semaine passée, on a tenté d'aller en voiture. Nous avons été empêchés par les forces de l'ordre de sécurité sous réquisition du préfet et qui estime avoir reçu une demande de la part de nos préfets. Et donc, vous comprenez qu'ils sont en train d'aller au-delà de leur prérogative. On ne peut en aucun cas empêcher un fidèle de l'église évangélique de Togo de le célébrer le culte nulle part. Donc, la constitution nous autorise à célébrer partout la situation. Et donc, rien à empêcher. Nous sommes déterminés, nous continuons toujours à aller dans les paroisses pour sensibiliser les fidèles. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à la paroisse à Gorjongo. Et pour les prochaines démarches, nous continuons et les paroles sont programmées. Nous irons éventuellement à Palimé, nous retournerons à Moutier, nous irons à Tapamé, nous irons à Kara, à Sokodé, à Dapaon, et nous irons partout où nos besoins se feront sentir pour que les réformes les plus adéquates se fassent au sein de l'Église, pour qu'une seule personne soit à même d'ordonner les dépenses et de discuter les dépenses elle-même, elle seule. Et le processus de désignation des penseurs qui sont responsables aujourd'hui de la. Du bout financier dans lequel plonge notre église, ça doit être engagé. Et nous sommes disposés à l'aide même devant les tribunaux pour que leur responsabilité soit engagée. Au cas contraire, toute démission le plus vite que possible et qu'un comité ad hoc soit formé pour que les réformes soient faites au niveau de l'église. Et là, nous saurons ce qu'il faut faire en termes de démarche. Ceux qui craignent que pourquoi nous organisons en matière de réponse dans cette crise, c'est eux qui ne connaissent pas l'historique de l'église, l'église protestante. Et donc l'église a été conçue sur la base de crise et elle est faite de crise. Et c'est après les crises que les réformes se fassent. L'église étant le socle de la démocratie, il faut qu'on arrive à respecter les principes de base en matière de respect mutuel, en matière de la gestion des choses. Et il ne faut pas que des gens se taguent le luxe de prendre tout ce qui est la propriété d'une communauté religieuse comme étant leur propriété individuelle. Et donc, il faut d'apprendre ça, et c'est pour ça que nous sommes là. Et nous restons toujours déterminés jusqu'à ce que
nous obtenons des résultats. Les gens vont poser la question, pourquoi Manuel Sogadi, parce que je suis fidèle presbytérien, il faudrait que je m'engage aux côtés de nos collègues, de nos frères et soeurs presbytériens, qui partagent le même avis sur la gestion calamiteuse de notre économie. Merci.